Y'a Playpod, vous avez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est 8h40 du matin, ce qui signifie que j'ai mis mon réveil pour effectuer celle-ci et vous la sortir le plus vite possible. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Désolé, hein, c'est le micro de l'accueil, vous pouvez le voir. Qui sont ces personnes qui se lèvent aussitôt pour aller jouer à Call of Duty Black Ops Cold War? Les créateurs de contenu comme moi qui veulent sortir la vidéo le plus vite possible pour vous faire plaisir. Et également les malades mentaux qui n'ont pas de travail ou qui travaillent un peu tard. Bref, on n'est pas là pour vanner ceux qui n'ont pas de travail, hein. C'est juste pour dire que je vais avoir une partie qui risque d'être épicée. Alors vous le savez, c'est un petit peu la deuxième partie de la saison 1. Aujourd'hui, il y a des trombes de nouvelles choses, hein, dont Firebase Z, la nouvelle map de zombies. Mais à l'heure actuelle, n'étant pas un youtubeur zombie, on va plutôt se concentrer sur quelque chose qui me concerne plus. Et regardez-moi directement... Express Baby. Voilà, bonjour. C'est bon, on peut voir déjà qu'ils n'ont pas apporté de nouveautés. Ils ont surtout mis, on le voit, une sorte de petit renouveau graphique. Et qui se rappelle d'ici, mon gars? Qui se rappelle de mon action, la patata? Chose qui a fait que vous me suivez 8 ans plus tard en termes de ratio. J'ai mangé sur une action et j'ai réussi à la développer. Je pense que je suis assez bien classé. On est parti du coup, je me suis fait une petite classe. On est là pour se la donner, d'accord? On est en élimination confirmée. Hop. Il risque d'y avoir des gens ici. Ici. Non, ici. Ici. Bonjour monsieur. Ouf, j'ai là. Attends, j'ai une para là, j'ai pas une stimulant. Attends, on va mettre le stimulant. Hop. Voilà, voilà. Ouh, il m'a fait peur lui. Attends, mais ils sont 5 en face et on les entend pas, on les voit pas. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces personnes qui sont censé être dans ma partie mais qu'on ne retrouve pas? What the fuck? Ah bah, ces personnes là gagnent des duels contre moi. Donc on est sur Express, la deuxième map qu'ils ont ajouté sur ce jeu en provenance de Black Ops 2 après Raid. Ça fait plaisir, je crois que la toute première map qu'ils ont rajoutée, la toute première ancienne, était bon, un grand classique, hein, qui rajoute dans absolument toutes leurs licences. Les gens qui ont Twitch en onclan en général, c'est jamais bon signe. Je vous jure que quand j'ai quelqu'un en duel qui a Twitch en onclan, une fois sur deux, je suis putain d'effrayé tellement c'est des... Tellement c'est des gros tryharders, mon pote. Mais ça va, on arrive quand même à se la donner, on est bien. Donc c'est... Eh hey, monsieur! Alors on met Twitch en oncle, mais on vient se faire laver par Zach Nani à 8h40 du matin! Hein? On croyait quoi? Hein? Bon, ça fait plaisir, on se hype un petit peu. Ah? Vous avez entendu? Attends. Il y a une grosse sonnerie, je pense que c'est ce qui indique l'arrivée du train. Et là, il y a le train. Attends, il va y avoir quelqu'un ici surtout. Dommage, hop. Oh mais monsieur, on se fait encore laver, c'est pas moi qui ai le kill, mais c'est tout comme. Ça me fait plaisir, attendez, est-ce qu'il est encore là le train? Ah non, il est parti. Ah, y a quelqu'un ici par contre. Ah, il m'a vu le gamin. Attends, on va lui jeter une greu. Hop là. Eh petit, Minagas détruite, on est bien. Donc comme j'ai dit, c'est la deuxième map. Quelqu'un d'autre? Oh. En fait, il y en a un en dessous et un en haut là. On va faire ça. Histoire de les perturber. Ah, le shoot n'a pas été présent. Le train, par contre, lui, il est présent. Donc, c'est la deuxième map en provenance de Black Ops 2. Après Raid, ça me fait plaisir, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a un mix de retour d'anciennes maps et bien entendu de nouvelles maps. C'est pour ça que j'étais aussi content quand il y avait The Pine. En plus, ce qui est cool, c'est que. Au niveau de la date de sortie, alors ils auraient peut-être pu la sortir un poil plus tôt, Express, mais vu qu'il y a la saison 2 qui arrive bientôt et qu'il y a la Ligue qui arrive également dans la foulée, ça fait que là, on va vivre un beau mois de février sur... Sur Black Ops Cold War, avec du coup plein de nouveautés, la saison 2, la Ligue, Express, tout ça, c'est assez cool. Et pour les amoureux de 6v6, bah du coup on va manger, hein, parce que la Ligue là, elle va commencer lundi, et je crois qu'elle commence le 8 février, donc c'est dans 3-4 jours, hein, c'est assez tôt. Et vous y risquez de voir des comptes de tenue dessus, dont pas mal de vidéos, mais du coup je suis assez content. Et surtout après du retour, c'est ça que je voulais dire, de map de Black Ops 2, vu que les... Vu que même si elles sont très bien, c'est quasi impossible de ramener des maps de Black Ops 3 sur le jeu. Oh, attends, ça c'est juste ça, je reconnais. Je reconnais le bruit et l'odeur du streak. Ah, ça c'est un harp, ça. J'ai eu peur, il m'a fait trop peur. Je vous jure qu'il m'a fait trop peur, sa mère. Il m'a fait trop peur, mais pas trop peur tout court, il m'a fait trop peur.
Wow, l'action, baby. Bon, après... la série des enfers, ça fait trop plaisir. Il y a Mike qui est en train de dormir derrière, je vous jure, elle va m'étrangler vu le bruit que je fais. Mais je peux pas en même temps ne pas me hyper, je suis en 18-2, frère, vive Red, je suis trop... Enfin, vive X-Men, je suis trop content. Donc, après des retours de maps de Black Ops 2, j'aimerais bien revoir des maps de Black Ops 1. Et vraiment, je vous jure... Acti, je ferai la promotion de votre jeu gratuitement jusqu'à la fin de ma vie s'il faut, si vous ramenez Radiation. Voilà, moi j'essaye de m'imaginer des maps qui seraient cool à revoir, et Radiation fait partie de ces maps que je kifferais revoir, vraiment ça me ferait trop trop plaisir. Radiation au launch, des maps de B1. Après c'est dommage quand même que du coup les maps de Black Ops 3 ça quasiment, il est imprenable, irrattrapable, irramenable, je sais pas, utilisez le mot que vous voulez, mais là où je veux en venir, c'est impossible à ramener, ça c'est très très chiant parce que il y avait des maps très très intéressantes. Mine de rien. Petit, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, hein. Tu viens pas challenger un vieux briscard comme ça. T'sais, moi maintenant je suis plus un joueur Call of Duty vu que ça fait quand même maintenant voilà les années que je suis là, je suis ce qu'on appelle un vieux briscard. Tu parles de moi comme tu parles de Sergio Busquets, tu vois, un peu lent, un petit peu gros, mais toujours présent, tu vois. Bon, Busquets il est pas gros, mais t'as compris ce que j'essayais de dire, hein, expérimenté. Donc on vient pas de challenge des gros briscards comme moi, des duels j'en ai pris, des kills j'en ai fait. T'imagines s'il était possible d'avoir le compte de kill Call of Duty qu'on a fait dans notre vie, je pense que je me situerais peut-être, je sais pas, 100, 200 000, peut-être des millions, sait-on jamais, hein, parce que j'ai vraiment tué chaque année des dizaines de milliers de personnes. Ça doit commencer. Oh, il m'a lavé. Ça doit commencer à faire des chiffres qui commencent à cumuler de manière très correcte. 28-5, on est sur un bon gameplay. Alors là, ça me fait plaisir. Oh là, le shoot et le harp. Et le harp pour Monsieur Zach. Oh, le Twitch en oncle clan. Je te jure que si je t'avais lavé, frère, il fallait se cacher, hein. Ah là, t'aurais twitch.tv slash xxx, hein. Hein, t'aurais pas aimé qu'on connaisse ta chaîne, hein. Hop là, hop, encore un kill. Encore un kill. Allez, reviens, petit. Reviens. Reviens, j'ai dit, petit. Je ne vais pas ramasser la médaille histoire de faire durer la game plus longtemps. Parce que je suis un tryharder. Et comme tout tryharder qui se respecte. Oh là. Aïe. Je change le cut. Non, si je l'avais cuté, ça aurait été magnifique. Genre, ça m'aurait pris une médaille 35-7. Le retour d'Express se passe bien. Voilà, ramenez launch et radiation, comme une fois j'ai dit, et là on sera... Je tombe dans un lobby, mais c'est un lobby goldé, là. Hein. Essayez pas. Essayez pas, j'ai dit. Essayez pas. Non, mais... S'il vous plaît, n'essayez pas de revenir devant moi pour essayer de me la mettre parce que ça ne va pas le faire. Regardez-moi cette action, regardez-moi ce retour d'Express. J'ai fait une action légendaire dessus, je suis connu pour ça. Donc c'est ma map, je la gère, vous n'allez pas me la faire. Regardez l'action finale. Oh là 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 là, magnifique. Ça me fume. Bon, ça me fait du bien parce que vraiment, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, enfin, vidéo Black Ops 3, c'est quelques derniers jours, j'en ai un peu marre de Cold War, ok. Mais ça m'a fait plaisir. En prenant quelques jours de pause, on revient en état de grâce. C'est la première partie que je fais en quelques jours et le gameplay est superbe, donc j'en suis ravi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, d'accord. Je l'ai fait vraiment tôt le matin pour faire plaisir. Tu sais, quand t'es créateur de contenu comme moi, t'as un petit peu peur parce que là, j'ai le train, il faut que je parte dans 40 minutes. Et tu sais, moi, j'étais là en mode, oh putain. Sa grand-mère, si j'arrive pas à faire un gameplay dans les temps impartis, je pourrais pas sortir la vidéo, tout ça, machin. Voilà, la vidéo, elle est là, mon gars. Donc, si vous avez apprécié, faites-le moi savoir. Et pour ma part, bah, on se retrouve dès demain, puis ce week-end, pour plein d'autres vidéos. Des gros bisous, passez une bonne fin de semaine, et ciao, ciao.